Donc, je vais réserver cette présentation pour expliquer le comportement du producteur à court terme, sachant que au niveau de notre cours de microéconomie, on analyse le court terme d'une manière séparée que du long terme. Donc, il y a deux versions, deux raisonnements. Il y a le raisonnement qui tient compte du court terme. Il y a aussi le raisonnement qui tient compte du long terme. On utilise souvent le terme court terme ou courte période. Donc, court terme ou bien courte période sont deux appellations qui sont synonymes, qui donnent une idée sur l'horizon de décision de l'entreprise. Donc, lorsqu'on parle de l'horizon de décision à court terme, c'est équivalent à l'horizon de décision de courte période. Donc, au niveau de cette partie de cours, vous devrez avoir une idée sur la fonction de production. Et là, nous allons considérer une entreprise quelconque pendant une période bien définie. Chaque entreprise fait appel ou bien utilise deux facteurs de production. Le capital, que nous allons souvent l'appeler ou bien le désigner par K, c'est les unités de capital utilisées. Donc là, si vous trouvez à chaque fois le terme K, ça veut dire capital utilisé. Et si vous trouvez le terme L, ça veut dire les unités de travail ou bien le facteur travail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire capital? Donc, le capital, en fait, lorsque je considère une entreprise, tout ce qui existe au niveau de l'entreprise ou bien tout ce qui existe au niveau d'une firme d'une manière générale, autre que le travail, est considéré comme étant capital. C'est-à-dire, dans une entreprise, je peux trouver de la main-d'œuvre, je peux trouver des machines, je peux trouver des voitures, je peux trouver de la matière première, de l'énergie, et ainsi de suite. Si je fais sortir les ouvriers, tout ce qui reste est considéré par la microéconomie comme étant capital. Donc, le capital, c'est au niveau d'une entreprise, selon la vision microéconomique de la fonction de production, dit que tout ce qui reste est le capital. Donc, le capital désigne tous les facteurs de production autres que le travail. Donc, une fonction de production, c'est une relation qui va permettre d'écrire ou bien de donner la quantité maximale que nous pouvons produire, là nous allons la mentionner par Q, en fonction du capital et en fonction du travail. On peut aussi écrire Q de cette façon, donc on va mettre F de LK. Donc ça, c'est une fonction de production qui va faire appel à des unités de travail et des unités de capital. Par exemple, je peux écrire la fonction Q qui est égale à 200 fois L à la puissance 1,5, K à la puissance 1,5. Donc là, c'est une fonction de production qui va utiliser du travail et du capital. Donc la fonction de production, elle indique la quantité maximale que nous allons produire pour des quantités de facteurs de travail et de capital utilisés dans des proportions variables. Donc cette fonction est croissante. Pour chacune de ces facteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que j'augmente le capital, la quantité produite augmente. Toutes choses étant égales par ailleurs, bien sûr. Et chaque fois lorsque j'augmente le travail, la quantité produite augmente. Bien sûr, il y a une spécificité particulière lorsqu'on traite des fonctions coupe de glace. Donc, ce sont des fonctions qui ont été définies par Cobb et Douglas, qui sont des économistes qui ont testé cette fonction, qui ont donné une forme particulière, ou bien qui ont défini une forme particulière, qui est la forme suivante. C'est une forme qui fait appel à un polynôme avec une quantité produite Q qui utilise du capital et qui utilise du travail. Donc la forme suivante Q égale lambda K exposant A, L exposant bêta est une fonction du type coupe de glace. Par exemple, je prends l'exemple suivant, donc Q égale à 200 L exposant 1,5 K exposant 1,5 est une fonction du type coupe de glace. La fonction suivante aussi, par exemple, Q1 qui est égale à 500 L exposant, par exemple, un tiers. L exposant, ou bien K, excusez-moi, K exposant
Par exemple, 2 cinquièmes représente aussi une fonction coupe de glace. Donc, chaque fonction qui a cette forme-là est appelée une fonction coupe de glace. Maintenant, si on considère la valeur de K comme étant une constante, c'est-à-dire qui ne change pas en fonction du niveau de production, là, on va avoir une forme bien spécifique qui va faire en sorte que notre fonction va dépendre simplement du travail. C'est-à-dire, si je considère par exemple K est égal à une constante, qu'on le note souvent par K bar, ou bien aussi on le note aussi par K0, ce niveau de capital est constant, alors là, on va supposer, ou bien on va dire que la fonction de production est de courte terme ou bien de courte période. Je prends un exemple. Supposons que j'ai la fonction Q qui est égale à 200 L exposant 1 demi, K exposant 1 demi. Si je considère K bar égale à 100, à ce moment-là, j'aurai la quantité Q qui est égale à 200 fois L exposant 1 demi. Je remplace K par sa valeur. Ça va être 100 exposant 1 demi. Ça va donner 100, plutôt ça va me donner 200 multiplié par 100 exposant 1 demi. C'est comme si j'ai racine de 100 qui est égale à 10. Donc j'aurai 200 fois 10 fois L exposant 1 demi. Et à ce moment-là, j'aurai la fonction Q qui est égale à 2000 fois L exposant 1 demi. Cette fonction, elle va dépendre simplement d'une seule variable, c'est la variable L. Donc là, je parle d'une fonction de production de courte période. Donc une fonction de production de courte période est une fonction qui dépend seulement du facteur travail. Généralement au niveau d'un cours de microéconomie de la production totale. Donc, la fonction de production totale, c'est une relation entre le facteur de travail et le niveau de production. On va admettre au niveau de ce cours-là, on ne va pas démontrer en fait la forme de la fonction de production, mais par la suite, on va utiliser cette forme pour la dire autrement. La forme de la fonction de production est représentée par cette courbe qui est croissante. Au départ, pour avoir jusqu'à un niveau d'un point d'inflexion, puis elle atteint un maximum, puis elle décroît. En fait, pourquoi cette forme particulière et cette forme spécifique? Premièrement, il faut noter que cette fonction dépend du facteur travail. Donc, Y, c'est une fonction Y qui dépend de L. Donc là, je vais trouver que Y est égal à F de L. Maintenant, cette fonction, en fait, pourquoi elle est croissante? Parce que si je n'ai pas de facteur travail, je vais avoir zéro unité produite. Donc là, je parle de l'origine. Je prends l'exemple de notre fonction. Donc Y, par exemple, qui est égal à 2000 L exposant 1 demi. Si L égale à 0, si je considère L égale à 0, à ce moment-là, Y égale à 0. Donc l'origine, ou bien le point 0, 0, appartient à notre courbe. La courbe est une fonction croissante, c'est-à-dire plus j'augmente les unités de travail, plus la production augmente. Mais cette augmentation change de rythme au niveau d'un point d'inflexion. Ce changement va être par la suite interprété ultérieurement lorsque nous allons parler de la productivité moyenne et de la productivité marginale. Donc ce point particulier est un point d'inflexion. Puis on va avoir un autre rythme de progression qui est représenté au niveau de la deuxième zone que nous allons. Donc là c'est une première zone et là c'est une deuxième zone. Donc au niveau de la deuxième zone, on va avoir un autre rythme et une autre forme qui va s'achever avec le point de production maximale. Donc, à ce niveau-là, je vais avoir un niveau de production maximale que je ne peux pas dépasser. Donc, lorsque j'ai Y qui est à un niveau maximal, donc, à ce niveau-là, je vais trouver, en fait, un point particulier qui correspond, bien sûr, à un niveau d'utilisation de travail.
Au-delà de ce point de maximum, je vais trouver une troisième partie. Cette troisième partie est représentée par une courbe décroissante de la fonction de production. On va essayer maintenant de parler de la productivité moyenne d'un facteur de production. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la productivité moyenne? La productivité moyenne, c'est le rapport entre la production divisée par le nombre d'ouvriers, c'est-à-dire si je divise Y par L, je vais trouver ce qu'on appelle la productivité moyenne. Économiquement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire la production faite par un certain nombre d'ouvriers. Je prends un exemple. Supposons que vous avez Y, la production qui est égale à 1000 unités. Et vous utilisez L ouvrier, un nombre d'ouvriers qui est égal à 100, la productivité moyenne, PML, elle est égale à Y sur L, ça fait 1000 divisé par 10, ça fait 100. Donc ceci suppose que en moyenne, chaque ouvrier produit 100 unités. Donc c'est ce qu'on appelle la productivité moyenne. La productivité moyenne est toujours écrite en utilisant grand M, parce que par la suite, nous allons définir une autre productivité qui avec un M, un petit M. Donc, la productivité moyenne, en fait, c'est le rapport de Y par rapport à L. Je prends dans notre exemple, je vais considérer notre fonction qui est égale à 2000 L à la puissance 1/2, que je vais la diviser par L. Et à ce moment-là, je vais trouver 2000 fois L à la puissance moins 1/2. Donc là, ça représente la formule de la productivité moyenne. On parle aussi de la productivité marginale. La productivité marginale, qu'est-ce que c'est? C'est l'accroissement de la production autorisée par l'utilisation d'une unité supplémentaire du facteur considéré. Ou bien sûr, une diminution de la production quand on utilise une unité supplémentaire, une unité de moins d'un facteur de production, en particulier le travail. Donc la formule de la productivité moyenne est la suivante. C'est la variation de la production par rapport à la variation du facteur variable. Dans notre cas, c'est le travail. Ou bien, si on a une petite variation, on parle de la dérivée de la productivité, plutôt de la dérivée de la production. Dans notre cas, le capital est constant, donc nous allons dériver par rapport à L. Je prends un exemple chiffré pour comprendre. Supposons que j'ai une première situation. Donc, je fais appel à, par exemple, 10 ouvriers. Je produis donc 10 ouvriers, je produis un niveau de production qui est égal à 1000. Dans un autre niveau, je vais faire appel à un 11e ouvrier. Donc là, j'augmente d'une unité le facteur travail. La production augmente et elle va passer à, par exemple, 1050. La productivité moyenne, plutôt la productivité marginale, elle est définie en tant que quoi? Donc, la productivité marginale, c'est la variation de Y par rapport à L. Et là, je vais calculer 1050 moins 1000 divisé par 11 moins 10. Donc, j'aurai 50 sur 1. Donc là, c'est 50 unités. Donc, que représente la productivité marginale? Son interprétation économique. L'interprétation économique signifie que un niveau donné, c'est le niveau par exemple de L égal à 10, si j'augmente un ouvrier supplémentaire, cet ouvrier supplémentaire va m'apporter 50 unités de production. Donc il faut savoir que il faut distinguer les deux interprétations. Pour la productivité moyenne, c'est la production moyenne d'une unité de facteur de production. Dans notre cas, si j'utilise 10 ouvriers, chaque ouvrier produit en moyenne 100 unités. Mais à ce niveau-là, si j'augmente le nombre d'ouvriers d'une unité, je passe à 11 unités. La 11e unité
va produire 50 unités. Donc ça, c'est la différence entre les deux logiques. La productivité moyenne, c'est une moyenne des productions, ou bien c'est une moyenne de l'apport de tous les ouvriers. La productivité marginale, c'est la valeur de la production apportée par la dernière unité de production. Bien. On va voir un petit tableau qui comporte un certain nombre de valeurs chiffrées qui vont nous donner une idée sur la façon selon laquelle nous pouvons calculer la productivité moyenne et la productivité marginale. Les valeurs qui sont au niveau de ce tableau-là, en particulier la première colonne et la deuxième colonne, sont mentionnées à titre indicatif. Quoique, on peut trouver une fonction de production avec laquelle on peut générer les valeurs de ce tableau-là. Donc, on constate que si je produis 0, ou bien si j'utilise 0 facteur de production, donc là vous avez 0, la production elle est égale à 0. Pourquoi? Parce que notre fonction de production est croissante en fonction de L. De même, lorsque je vais calculer la productivité moyenne, j'aurai 0. Pourquoi? Parce que j'ai, économiquement parlant, j'ai 0 production, donc la productivité moyenne elle est égale à 0. La productivité marginale, on ne peut pas la calculer à ce niveau-là parce que je n'ai pas une valeur avant 0. Donc 0, c'est la valeur la plus minimaliste ou bien la première valeur qui est économiquement parlant. Ça veut dire j'ai 0 unité utilisée. Maintenant, si j'augmente la quantité produite d'une unité, plutôt, si j'augmente le nombre d'ouvriers d'une unité, la production passe à 2. Et dans ce cas, si la production passe à 2, la productivité moyenne devient égale à 2. Pourquoi? Parce que je vais appliquer la formule. Donc, la productivité moyenne, elle est égale à quoi? Elle est égale à Y sur L. Ça fait 2 sur 1. Ça me donne 2. La productivité marginale, si j'applique, donc la valeur elle est égale à 2, si j'applique la formule, la productivité marginale, c'est la variation de Y par rapport à L, ça va me donner 2 moins 0 sur 1 moins 2. Donc j'aurai 2. Pour troisième niveau, à savoir 2 unités de facteur travail, je produis 6 unités. La productivité moyenne, elle est égale à la formule Y sur L. Ça va donner 6 sur 2. J'aurai 3. La productivité marginale, c'est delta L sur, plutôt delta Y sur delta L. Ça va me donner 6 moins 2 sur 2 moins 1. Donc j'aurai 4. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il s'agit, ce sont des formules à appliquer avec des valeurs chiffrées. Dans notre cas, c'est très simple, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Vous constatez certainement que la productivité moyenne est ce sont des valeurs qui passent de 0, qui augmentent jusqu'à ce qu'on arrive à un maximum. Puis la productivité moyenne décroît tout en restant toujours positif. C'est-à-dire, je vais voir que la productivité moyenne est toujours supérieure à 0, la productivité moyenne, elle augmente et la productivité moyenne, elle décroît. Pour la productivité marginale, elle augmente donc de 2 jusqu'à ce qu'elle arrive à une valeur maximale. La valeur maximale, vous constatez qu'elle est avant la valeur maximale de la productivité moyenne. Donc la valeur maximale de la productivité marginale, elle est pour un niveau de production qui utilise 4 unités de facteur travail. Pour la productivité moyenne, c'est au niveau de production qui est égal à 5. Donc la productivité marginale croît pour atteindre un maximum, puis elle décroît, elle s'annule pour la valeur 0, puis elle prend des valeurs qui sont inférieures à. Donc, on peut constater que la productivité marginale peut être supérieure
inférieure ou bien égale à 0. Donc, ceci nous permet en quelque sorte de parler de quelques points de correspondance entre la première graphique qu'on a utilisée pour la fonction de production, c'est-à-dire, donc vous constatez qu'il y a des correspondances. Donc, au niveau de la deuxième graphique, celle-ci, vous avez au niveau de l'axe des Y, vous avez la production, plutôt vous avez le niveau de travail, là aussi vous avez le niveau de travail. Ici, ce qui est marqué en rouge, c'est la productivité marginale du travail. Ce qui est marqué en bleu, la productivité moyenne du travail. Pour la fonction de production, j'ai Y qui est le niveau de production. Bien. Donc, on va essayer de voir pourquoi il y a correspondance entre ces différents points particuliers. Je vais commencer par le premier point, qui est le point où j'ai un niveau de production qui est égal à 0. Pour ce niveau de production égal à 0, j'ai aussi un niveau de productivité moyenne et marginale qui est égal à 0. Malheureusement, la courbe n'est pas bien faite, mais pourquoi j'ai ce niveau qui correspond à 0? Parce que si je n'utilise pas du travail, je ne produis pas. Donc la productivité moyenne, elle est égale à 0, la productivité marginale est égale à 0. Maintenant, pour le niveau de production maximale, schématisé à ce niveau-là, il correspond à quoi? Il correspond à un point L étoile, qui est ici, dans lequel la productivité marginale s'annule. Donc, on va essayer d'exploiter cette relation. Donc, on a au point L étoile. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Y qui est à son maximum. Donc, dire que j'ai une fonction et à son maximum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dérivée de Y par rapport à L est égale à 0. Or, on a vu que la dérivée de Y par rapport à L n'est autre que la productivité marginale du travail. Donc, au point L étoile, la productivité marginale du travail est égale à 0. Donc, ceci permet de vérifier bien qu'on a ce point-là, au niveau de ce point-là, j'ai la productivité marginale qui est égale à 0, qui correspond au point où j'ai la production dans un niveau le plus élevé possible. C'est le point maximum. Au-delà de ce point, la productivité, plutôt la production totale, devient décroissante. Vous constatez qu'elle est décroissante. Donc, cette constatation, bien cette décroissance de la production totale est due au fait que la dérivée de la production totale par rapport à L est inférieure à 0. Or, on a vu que la dérivée de Y par rapport à L n'est autre que la productivité marginale qui est inférieure à 0. Donc, pour cette partie-là, j'ai la productivité marginale qui est décroissante. Donc là, donc, le point de correspondance entre ce point-là, on l'a déjà, on vient de le démontrer. Je passe maintenant à un autre point qui est le point où j'ai la productivité marginale qui est la plus élevée, qui correspond à un point d'inflexion de la fonction Y. Donc, au point L bar, donc là, j'ai L bar, hein, donc le point L bar, qu'est-ce que j'ai? Donc, je vais souligner ici, donc le point L bar. J'ai la fonction y admet un point d'inflexion. Donc, à un point d'inflexion. Mathématiquement parlant, si une fonction admet un point d'inflexion, c'est que sa dérivée seconde par rapport à elle est égale à 0. Donc, elle s'annule, la dérivée seconde s'annule et change de signe au niveau d'un point d'inflexion. Donc, si notre point d'inflexion correspond à la fonction y, donc on va exploiter ça. Donc, la dérivée seconde de y, c'est n'est autre que la dérivée de la dérivée. Donc, je vais en quelque sorte avoir la dérivée de y par rapport à l. Donc, ça, c'est la dérivée première, qui n'est autre que la productivité marginale. Or, nous, on veut avoir la dérivée seconde. Donc, la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée première, ça veut dire la dérivée de la productivité marginale par rapport à L, qui devient égale à 0.
Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a démontré que au point d'inflexion, j'ai la productivité marginale. La dérivée de la productivité marginale est égale à zéro. Si la dérivée d'une fonction est égale à zéro, cela nous permet de déduire que la productivité marginale est à son maximum. Donc là, je vais avoir le maximum de la productivité marginale. Donc, au point d'inflexion, j'ai ici un maximum de la productivité marginale. Parmi la définition aussi d'un point d'inflexion, c'est que la fonction change de signe. Donc, la fonction devient, donc là, la productivité marginale, elle est croissante. Donc, la dérivée de PML par rapport à elle était positive. Et puis, elle devient négative dans l'autre sens. Donc, ça, c'est aussi un point qui est très important par rapport au point d'inflexion. On passe maintenant à un dernier point, c'est le point d'intersection entre la productivité moyenne et la productivité marginale. Vous constatez que à ce point-là, j'ai le maximum de la productivité moyenne. Donc là, à ce point qui est le point LA, on a la productivité moyenne du travail est au maximum, ou bien admet un maximum. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que j'ai? Je vais exploiter cette interprétation ou bien cette relation. Donc je vais avoir la dérivée de la productivité moyenne du travail par rapport à L est égale à 0. Or, la productivité moyenne du travail n'est autre que Y divisé par L. Du coup, je vais dériver Y par rapport à L par rapport à L, qui est égal à 0. J'ai un rapport, la dérivée du rapport, je l'explique ou bien je vais l'écrire ici, c'est la dérivée de Y par rapport à L fois L, moins la dérivée de L par rapport à L fois Y. Le tout divisé par L carré est égal à 0. Donc du coup, c'est comme si j'ai ici, ça ce n'est autre que la productivité marginale. Donc j'aurai la productivité marginale du travail moins la dérivée de L par rapport à L, ça donne 1, moins Y, le tout sur L carré est égal à 0. Bien sûr, là, vous avez fois L, hein, donc j'ai oublié fois L. Donc si vous avez A sur B qui est égal à 0, à ce moment-là, je peux déduire que A égale à 0. Donc, j'aurai la productivité marginale du travail fois L moins Y égale à 0. Et donc, du coup, j'aurai la productivité marginale égale à Y sur L. Donc, on a déduit que au point où j'ai le maximum de la productivité marginale, j'ai l'égalité entre productivité marginale et productivité moyenne. Donc là, j'ai en quelque sorte cette relation qui montre bien qu'il y a ce point réellement qui montre qu'il y a ici, à ce niveau-là, j'ai productivité marginale égale productivité moyenne. Bien, on parle aussi. Maintenant, nous allons parler des phases de production. Donc, les phases de production, en fait, ce sont des phases qu'on peut les déduire à partir de notre analyse qui est en relation de la production et en relation de la fonction, plutôt de la productivité marginale, la productivité moyenne. Donc les phases sont en nombre de trois. Donc là, vous avez une première phase qui commence à partir de 0 jusqu'au point où je vais avoir L bar. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, elle est entre L bar et L étoile. Donc là, c'est une deuxième phase. Donc ça, c'est la deuxième phase. Ça, c'est la première phase et la troisième phase. Donc, vous constatez qu'au niveau de la première phase, c'est-à-dire, on va l'écrire ici, donc phase 1, au niveau de la première phase, j'ai toujours la productivité marginale du travail qui est supérieure à la productivité moyenne. C'est-à-dire, la productivité marginale, elle est en rouge, elle est toujours supérieure à la productivité moyenne. Donc, la productivité marginale, qu'est-ce que c'est?
c'est la production de la dernière unité embauchée. La productivité moyenne, c'est la moyenne la moyenne de production des ouvriers. Supposons que les ouvriers que vous êtes en train d'utiliser produisent, par exemple, 150 unités, voilà, ou bien 5 unités, et que l'ouvrier que vous allez ajouter produit 10. Donc, 10 est supérieur à 5. Vous allez souvent avoir tendance à embaucher cette unité supplémentaire parce que celui qui va entrer au niveau de la fonction de production produit plus que la moyenne. Donc l'entreprise sera gagnante. Donc à ce moment-là, on va retrouver la phase, première phase, qui va être appelée la phase d'initiation ou de lancement de la production. Le producteur a intérêt à engager une unité supplémentaire du facteur travail ou bien du facteur variable. Le travail d'un employé supplémentaire permet d'augmenter la moyenne de tous les autres travailleurs. Par ailleurs, l'accroissement de la production dans cette phase est de type exponentiel. Donc, c'est pour cette raison qu'on aura une forme exponentielle de la fonction de production. Je vais passer maintenant à la deuxième phase, qui est la phase 2. Cette phase est matérialisée par quoi? Elle est matérialisée par le fait que la productivité moyenne est supérieure à la productivité marginale, qui reste toujours supérieure à zéro. C'est-à-dire, les choses s'inversent cette fois-ci. Je vais avoir la productivité moyenne, par exemple, qui est égale à 6. L'ouvrier que vous allez ajouter produit 5. Donc, est-ce que l'entreprise à ce niveau-là sera tenter d'augmenter le facteur travail, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que l'ouvrier qui va être additionnel va encore produire. Et donc, du coup, c'est vrai que la fonction de production ne va pas augmenter d'une manière exponentielle, mais la production augmente quand même. Et donc, du coup, on aura, ou bien l'entreprise aura recours à utiliser un ouvrier supplémentaire. Et donc, du coup, j'aurai la deuxième phase qui est matérialisée par une productivité marginale qui est inférieure à la productivité moyenne, avec une productivité marginale qui est supérieure à zéro. Donc, la productivité moyenne est en phase de décroissance. C'est une phase dite économique ou déficience. Le producteur a intérêt à engager une unité supplémentaire parce que ça permet d'augmenter sa fonction de production totale. Il nous reste maintenant la dernière phase, qui est la phase 3. Au niveau de cette phase de production, je vais avoir donc la phase de production 3. Elle est matérialisée par quoi? Elle est matérialisée par la productivité marginale qui est inférieure à zéro. Donc, la productivité marginale inférieure à zéro, ça suppose quoi? Ça suppose que l'ouvrier que vous allez embaucher est un ouvrier non rentable. C'est un ouvrier qui ne va pas produire ou bien qui a une productivité marginale qui est négative. Il ne va pas produire, mais il va, au contraire, il va détruire la production. Et donc, du coup, on aura la phase 3, c'est une phase de gaspillage ou d'inefficience. Donc, cette phase est caractérisée par l'augmentation du facteur variable qui engendre une baisse de la production totale. C'est une zone dite de non économique et le producteur devrait arrêter de produire avant cette phase-là. Donc, les implications qu'on peut avoir, quelle est la zone dans laquelle l'entreprise peut exister à court terme? On a vu que la zone 3, c'est le producteur n'a pas intérêt à produire, car c'est une phase d'inefficience. Dans la zone 1 est caractérisée par le fait que le producteur a intérêt à augmenter sa production. C'est une augmentation exponentielle, car plus il embauche de travailleurs, plus la production augmente. L'équilibre de l'entreprise va se situer au niveau de la phase 2. C'est la zone de production adéquate où on va trouver réellement l'équilibre de l'entreprise. Donc là, c'est d'une manière générale une explication des phases de production. On va prendre un exemple pour comprendre comment on calcule la productivité moyenne et la productivité marginale.
Vous avez ici une fonction de production y qui est égale à 10kl carré k fois l exposant 3. On va supposer que le capital est fixe, qui est égal à 1. La première question, quel est l'horizon de décision de l'entreprise? Justifiez votre réponse. Donc, on constate que k est égal à 1. Il s'agit du court terme. Pourquoi? Parce que le capital est constant. Donc là, on est à court terme ou bien en courte période. Donc, la fonction de production, ou bien plutôt le capital ne varie pas, et donc on est dans un horizon dans l'horizon de décision de l'entreprise qui est le court terme. Donc, à ce niveau-là, je peux déduire la fonction de production de court terme qui est égale à 10, je remplace K par sa valeur qui est égale à 1, donc 10 L carré, moins L à la puissance 3. Donc là, j'ai la fonction de production de court terme. Deuxième question, déterminer les fonctions de production moyen, de produit moyen et de produit marginal du facteur travail, ou bien la productivité moyenne et la productivité marginale du facteur travail. Donc, on va faire le deuxième mot. Donc, la productivité moyenne du travail, c'est Y divisé par L. Et à ce moment-là, je vais prendre notre fonction qui est 10L carré moins L au cube divisé par L. Je vais avoir 10L moins L carré. Donc là, c'est la productivité moyenne. La productivité marginale du travail, c'est la dérivée de Y par rapport à L. Donc je prends la fonction, je vais la dériver. Et donc du coup, cette fonction-là, je vais la dériver par rapport à L. J'aurai 2 multiplié par 10L moins 3 L carré. Et donc, du coup, je vais trouver que la productivité marginale du travail, elle est égale à 20L moins L carré. Vous avez des questions? Non. Bien. Donc, je vais passer maintenant à la fonction de coût de production. Donc, les coûts de production à court terme ont une spécificité particulière. Donc, les coûts de production, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est l'ensemble réellement des dépenses de producteurs qui supportent à la fois des coûts fixes et des coûts variables. En courte période, on suppose que le capital est un facteur qui est un facteur fixe et le travail est un facteur variable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais trouver au niveau du raisonnement de courte période. Donc, si j'ai une courte période, je vais avoir un coût fixe qui est le capital et un coût variable, plutôt un facteur variable qui est le travail. Le facteur capital qui est fixe aura un coût unitaire que nous allons représenter par L, par R plutôt, c'est le taux d'intérêt. Par exemple, je vais supposer que c'est égal à 2, et là je vais supposer que le capital est égal à 10. Et le travail a un coût unitaire qui est représenté par W, qui est le taux de salaire. On va le représenter par exemple par 5. Donc, si je calcule le coût du capital fixe, je vais faire le coût fixe qui est égal à quoi? Qui est égal à R fois K. Donc, dans notre cas, on aura 2 multiplié par 10, ça fait 20. Pour le coût variable, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un coût qui est variable, que nous allons noter par CV, qui est égal à quoi? Qui est égal à 5 fois L. Donc là, ça dépend du niveau de L. Et là, ça dépend pas du niveau de capital, mais qui est fixe. Donc, du coup, le coût total, il est égal à quoi? Il est égal à une composante fixe plus une composante variable. Et donc, du coup, je vais avoir 20 plus 5 fois L. Donc là, bien sûr, si je calcule le coût total en fonction du travail, ou bien en fonction des unités de travail. Donc, on peut aussi exprimer le coût en fonction de la quantité. Et les coûts fixes sont notés comme étant CF,
ils interviennent quel que soit le niveau de production, et là, ils sont constants. Exemple de coût fixe, par exemple, les coûts de construction de l'usine, le loyer de l'usine, par exemple, le fait, par exemple, d'acheter un terrain. Donc ça, c'est un coût fixe qui est supporté quelle que soit la valeur du niveau de production. Le coût variable, c'est un coût qui varie en fonction de la quantité produite. Donc le coût variable est égal à quoi? Est égal au coût d'une unité multiplié par les unités. Et donc on aura le coût total est égal à coût fixe plus coût variable. Je prends un exemple. Supposons que j'ai la fonction CTI qui est égale à 5y carré plus 2y plus 500. La composante qui comporte seulement des chiffres représente le coût fixe et celle-ci représente le coût variable. Donc vous constatez que le coût variable dépend du niveau de production et le coût fixe est une constante qui ne dépend pas du niveau de production. Donc là, on va admettre la forme suivante des courbes, des coûts. Vous avez le coût fixe CF qui est une droite horizontale. Pourquoi c'est une droite horizontale? Parce que c'est une droite qui ne représente pas, ou bien qui n'a pas de relation avec les quantités. Vous avez le coût variable qui est une fonction croissante et le coût total qui est une fonction qui dépend du coût variable, qui a la même allure que le coût variable. Bien sûr, cette forme, c'est une forme arbitraire qui peut changer en fonction des fonctions de coût. On définit le coût moyen comme étant le coût qui mesure le coût par unité produite pour une entreprise donnée. Donc, par exemple, supposons que le coût total d'une entreprise ou bien de la production de 100 unités est égal à 5 000. Et là, je produis par exemple 100 unités. Le coût moyen, en fait, c'est le coût total divisé par le nombre produit. C'est 5 000 divisé par 100. Et là, je vais avoir 50. Donc, le coût moyen est égal à 50. Donc, le coût moyen représente quoi? C'est le coût moyen d'une unité. Si je produis par exemple un nombre d'unités qui vont me supporter le coût total, le coût moyen, c'est la quantité, plutôt le coût total divisé par la quantité. Donc le coût moyen représente, si je prends la formule en termes de coût fixe et coût variable, donc vous avez le coût total qui sur Y, le coût total est décomposé en coût fixe et en coût variable, et donc du coup, je vais avoir le coût moyen d'une entreprise est égal au coût fixe moyen, donc ça c'est le coût fixe moyen, plus le coût variable moyen qui est coût variable sur Y. Donc le coût variable moyen c'est coût variable sur Y, le coût fixe moyen c'est CF de Y. Donc ça c'est les formules des différents coûts. On parle aussi du coût marginal. Donc qu'est-ce que ça veut dire le coût marginal? Le coût marginal mesure l'accroissement du coût quand la production augmente d'une unité. Nous allons noter le coût marginal par CMY, avec M comme étant minuscule, hein. Le coût moyen, c'est majuscule. Le coût marginal, c'est avec M minuscule. Donc, le coût marginal, c'est la dérivée du coût total par rapport à la quantité produite. Ce n'est autre que la dérivée du coût fixe par rapport à Y, plus la dérivée du coût variable par rapport à Y. Le coût fixe étant fixe, donc cette dérivée est égale à 0, donc j'aurai la dérivée du coût total est égale à la dérivée du coût variable. Je prends un exemple, supposons que le coût total est égal à 5y au cube plus 3y carré plus 5y plus 1. Donc, si je vais calculer, ou bien si je vais déterminer le coût marginal de Y, c'est la dérivée de coût total par rapport à Y. Ça me donne donc 15Y carré plus 6Y plus 5. Donc là, c'est le coût marginal d'une fonction de production. Plutôt coût marginal qui dépend de la quantité produite.
Géométriquement parlant, le coût marginal est la pente de la tangente au coût de, au coût de total. On va démontrer ça, bien sûr. Donc, le coût marginal correspond au minimum de l'unité produite. Donc, c'est pas la peine de ça. On va prendre un exemple. Donc, voici un exemple de coût total d'une fonction quelconque. J'ai 3y carré plus 2y plus 1. On va déterminer la fonction de coût moyen, de coût marginal et de coût variable moyen. Donc, le coût moyen, par définition, c'est le coût total divisé par y. J'applique la formule. J'ai 3y carré plus 2y plus 1 que je vais les diviser par y. Et à ce moment-là, j'aurai 3y plus 2 plus 1 sur y. Donc ça, c'est le coût moyen. Maintenant, on va calculer le coût marginal. Le coût marginal de y, ce n'est autre que la dérivée du coût total par rapport à y. J'aurai la dérivée de cette fonction par rapport à y. Donc, 3y carré, la dérivée, ça me donne 6y plus 2. La dérivée de 1 par rapport à y est égale à 0. Pour calculer le coût variable moyen de y, le coût variable moyen, c'est le coût variable de y divisé par y. Au niveau de cette fonction, le coût variable est la composante qui contient les valeurs variables, c'est-à-dire qui contient y. Et à ce moment-là, je peux déduire que le coût variable, c'est 3y carré plus 2y, que je vais les diviser par y. Donc, je vais trouver 3y plus 2. Donc, ça, c'est le coût variable moyen. On parle au niveau de notre cours de microéconomie, de deux niveaux qui sont des niveaux particuliers. C'est ce qu'on appelle le seuil de fermeture, qui est matérialisé ici en rouge, et le seuil de rentabilité. Donc, le seuil de rentabilité, il correspond à quoi? Il correspond au minimum du coût total moyen, ou bien du coût moyen. Donc, vous avez ici la courbe du coût moyen qui est représentée juste en haut. Son minimum correspond au seuil de rentabilité. Donc, le seuil de rentabilité est égal au minimum du coût moyen d'une entreprise. Donc, ce seuil est un niveau à partir duquel l'entreprise va générer des profits. C'est-à-dire, si je définis, par exemple, à partir de ce seuil-là, je définis aussi bien un seuil en termes de quantité comme un seuil en termes de prix. Si l'entreprise produit Y supérieur au seuil de rentabilité, c'est-à-dire si elle produit une quantité à ce niveau-là, elle aura un profit supérieur à zéro. Sinon, si elle produit un niveau plus faible, elle n'aura pas un profit qui est supérieur à zéro, donc elle va perdre. Donc, c'est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est le niveau de quantité que l'entreprise va produire, qui va permettre de déterminer le niveau de rentabilité. Il peut être aussi calculé en termes de prix, c'est-à-dire le niveau de prix. Là, si je le calcule en termes de prix, je dois l'appliquer au niveau du coût moyen. Donc, c'est le niveau à partir duquel l'entreprise va générer des profits. C'est-à-dire l'entreprise à ce niveau-là, ou bien cette partie-là, l'entreprise génère des profits. Maintenant, on a un deuxième seuil qui est le seuil de fermeture. C'est le niveau qui est matérialisé ici par le point rouge. Le seuil de fermeture est défini en termes de quoi? En termes du minimum du coût variable moyen. Donc, c'est le minimum. Et bien sûr, on raisonne en termes de court terme, hein? Donc, minimum du coût variable moyen de Y. Donc, ce seuil permet de déterminer le niveau de fermeture, c'est-à-dire si l'entreprise produit, donc si l'entreprise produit à un niveau YF
inférieure à YF, plutôt elle produit un niveau inférieur à YF, elle ferme ses portes. Donc l'entreprise n'a pas intérêt à exister. C'est-à-dire, si le niveau de production est à ce niveau-là, ou bien le niveau de prix à ce niveau-là, l'entreprise va fermer ses portes. Donc réellement, l'offre de l'entreprise est déterminée en termes de quoi? En termes, à partir de ce point-là, c'est-à-dire à partir du minimum, du seuil de fermeture, c'est-à-dire à partir du minimum du coût variable moyen, jusqu'à l'infini. Donc c'est la partie ascendante du coût marginal au-delà du seuil de fermeture. Et donc dans ce cas, on définit l'offre de l'entreprise comme étant le prix du marché. Donc, vous voyez ici, ce sont des prix, bien sûr. Hein. Donc, ça, c'est le prix. Et là aussi, c'est un prix qui est égal au coût marginal de l'entreprise. Si le prix est supérieur au seuil de fermeture, égal à zéro. Sinon, et donc, du coup, on aura la partie ascendante qui représente la partie où l'entreprise peut exister et peut donc produire. Donc, on arrive maintenant à un exemple. Donc, je vais prendre un exemple. Voici notre fonction de production. Donc, coût total égale 3y carré plus 2y plus 1. Nous allons déterminer le seuil de rentabilité et le seuil de fermeture. Donc, le seuil de rentabilité est qu'on va mesurer par SR, ou bien qu'on nous allons définir par SR, correspond au minimum du coût moyen. Donc à ce moment-là, je vais calculer le coût moyen. Donc le coût moyen, ce n'est autre que le coût total divisé par y, est égal à 3y carré plus 2y plus 1 sur y. Ça me donne 3y plus 2 plus 1 sur y. Donc ça, c'est le coût moyen. Je dois calculer le minimum du coût moyen. Donc je dois dériver le coût moyen par rapport à Y. Donc j'aurai la dérivée, ça me donne 3 moins 1 Y carré égale à 0. Donc ceci me permet d'écrire que 3 égale 1 sur Y carré. Donc du coup, Y carré égale 1 sur 3. Et donc Y égale, économiquement parlant, égale 1 sur racine de 3. Donc, si j'ai y égale à 1 sur racine de 3, le seuil de rentabilité est égal au coût moyen de y égale 1 sur racine de 3. J'applique au niveau de la formule. J'aurai 3 fois 1 sur racine de 3 plus 2 plus 1 sur racine de 3 n'est autre que racine de 3. Et donc, du coup, j'aurai 2 racine de 3 plus 2. Donc ça, c'est le seuil de rentabilité. Le seuil de fermeture, il correspond à quoi? Il correspond au minimum du coût variable moyen. Donc je dois définir le coût variable moyen. Donc le coût variable moyen est égal à 3y carré plus 2y. Donc, dire que j'ai le minimum du coût variable moyen, c'est-à-dire le coût variable, donc ça c'est le coût variable. Hein. Donc, on peut déduire le coût variable moyen qui est égal à 3y plus 2. Donc, 3y plus 2. Maintenant, le coût variable moyen, ou bien la dérivée du coût variable moyen, c'est la dérivée du coût variable moyen par rapport à y, c'est la dérivée de cette fonction par rapport à y. Ça va me donner 3, qui est toujours supérieur à 0. Ça suppose quoi, 3 égale à, supérieur à 0? Ça suppose que le coût variable moyen est une fonction croissante. Mathématiquement parlant, c'est une fonction croissante. Graphiquement, on va le représenter de la façon suivante. J'ai y et coût variable moyen. C'est une fonction croissante qui est matérialisée dans ce sens, par exemple. Donc, économiquement parlant, comment je vais résoudre ça? Économiquement parlant, nous, on ne considère que les quantités qui sont supérieures à zéro. Donc, je vais considérer un minimum économique qui correspond à y égale à zéro.
Donc, dans ce cas, si vous vous retrouvez dans une situation où une dérivée mathématique est supérieure à zéro, vous allez déduire que le niveau minimum, c'est y égale à zéro. Et donc, du coup, on va définir le seuil de fermeture qui correspond au coût variable moyen de y égale à zéro. Et dans ce cas, je prends pour y égale à zéro, je vais appliquer 3 fois y à 0 plus 2. Et donc, du coup, le seuil de fermeture correspond à 3 fois 0, ça fait 0 plus 2. Et donc, j'aurai le seuil de fermeture est égal à 2. Vous constatez que le seuil de rentabilité était de 3, 2 tiers, plutôt 2 racines de 3 plus 2, et le seuil de fermeture était égal à 2. Donc, voilà, donc ça, c'est pour cet exemple et pour cette synthèse en relation avec le comportement de l'entreprise en courte période.